aujourd'hui pour le fan club MG Motor FR. Voici la preuve. Donc le voyage pour le Portugal. Donc si vous arrivez à voir à travers la vidéo, enfin le pare-brise qui est un petit peu moucheté, vous avez donc les oliviers. Parce que nous sommes dans la zone de Leiria. Et donc, comme vous pouvez constater, nous avons donc fait 3298 km. Alors, tac, on va laisser passer la voiture qui arrive devant. Voilà, on est bien en Portugal, comme vous pouvez voir. Donc, on a fait 3298 km pour 51 heures de conduite. À une vitesse moyenne de 58 km/h, une consommation moyenne donc du carburant à 7 litres au 100, et une consommation moyenne électrique de 4,5 watts. Voilà, donc pour venir au Portugal, bien sûr, on n'a jamais rechargé électriquement. On s'est servi tout simplement de la recharge instantanée du véhicule qui a permis donc d'avoir un petit peu de recharge. On ne s'est jamais retrouvé à 0%. Au minimum, on s'est retrouvé à peu près à 5%. Voilà, donc ça, c'était le strict minimum. Par contre, on a fait donc environ 4 pleins pour 2000 km, pour être précis. Enfin, un petit peu plus de 2000 km, pour être dans la zone de Leiria, donc au centre du pays, à environ 30 km de la côte Atlantique. Voilà, donc le petit retour d'expérience, aucun bug constaté. Le seul point noir qu'on a constaté ici au Portugal, et ça c'est vraiment très très embêtant, et je pense que les Portugais vont avoir le problème dès la commercialisation des MG au Portugal au 1er janvier 2022, c'est le pare-brise qui n'est pas athermique. Voilà, donc le pare-brise il n'est pas athermique. Du coup, on sent la forte chaleur par le pare-brise et ça, c'est incontestable. Et puis, en même temps, les vitres latérales, pareil. Donc, le conseil, c'est d'ouvrir un peu le toit ouvrant. Donc là, je l'ai laissé fermer parce que aujourd'hui, exceptionnellement, nous n'avons que 21 degrés. Ce qui est pas mal parce que jusqu'à présent, on avait quand même entre 35 et 43 degrés en permanence. Et c'est vrai que par ces températures là, je vous dis honnêtement, le pare-brise en plein soleil, ça devient un four, c'est insoutenable. Même quand vous conduisez le véhicule pour aller à la plage ou autre, enfin bref, vous sentez le soleil cogner sur vos bras. Voilà, donc pour notre part, on va certainement teinter donc le pare-brise à 10%, voire 15% si c'est pas trop teinté. Voilà, et sur les vitres latérales avant, on va teinter à peu près jusqu'à 25-30%. 30% étant le seuil maximum autorisé en France pour le teintage des vitres avant. Voilà, donc le retour d'expérience, comme vous pouvez le voir, on est super content. La radio DAB au Portugal ne sert strictement à rien, donc pas la peine de la mettre. Vous ne réceptionnez, il y aura aucune réception. Peut-être à Lisbonne, pardon, ou à Porto, possible. Mais en tout cas, ici dans le coin, donc c'est la FM classique, comme vous pouvez voir, hein, Pombal 97, c'est ici la radio du secteur. Et la voiture, donc elle a un super comportement. Pour ceux qui vont venir en vacances en MG, je vous le dis tout de suite, vous risquez d'être regardé différemment, parce que c'est un véhicule qui n'existe pas ici au Portugal. Et du coup, attendez-vous à vous faire arrêter régulièrement pour avoir des questions, pour que les gens puissent l'avoir de près, etc. Donc surtout, jouer le jeu, ou alors tout simplement, si vous pouvez pas, dites-leur tout simplement que vous êtes pris par le temps, mais qu'éventuellement un autre jour, vous voilà, il y aura pas de souci. Voilà, ne donnez pas une mauvaise image des personnes qui ont une MG, qui se prennent éventuellement pour des gens supérieurs, etc. Ça serait super mal vu, surtout ici au Portugal. Les gens sont amateurs de véhicules, ils aiment bien voir ce qui est nouveau, etc. Ils sont un petit peu
on va dire, curieux de ce que c'est, surtout qu'ils n'ont jamais vu. Et là, pour le coup, voilà, ça attire les regards et les passions. Pour ma part, ici au Portugal, pour tous les trajets ici dans le coin, je me force en électrique, donc le voyant ici allumé, et je me force à rouler en électrique. Voilà, mais sinon pendant tout le voyage au Portugal, on a laissé en mixte avec le réglage jusqu'à ce que la batterie se vide. À savoir que la batterie ne se vide pas à 100%. Il y a toujours une marge de sécurité. Voilà, même si elle dure pas longtemps, mais avec la recharge automatique. Donc on a toujours à peu près 5% d'autonomie électrique. Voilà, donc c'était le petit retour d'expérience. Nous sommes donc bien au Portugal, on va y être pendant un certain temps. Donc si jamais il y a d'autres MGistes qui viennent dans le coin, bah, n'hésitez pas à le faire savoir afin de pouvoir boire un petit coup ensemble et partager éventuellement nos expériences. Sur ce, bonne journée à vous et à bientôt, et bon courage à tous ceux qui travaillent.